fait que le match a basculé, même si le premier set était très serré. Néanmoins, vous avez pris l'ascendant par la suite. Vous arrivez à l'expliquer? J'ai commencé à... on n'a pas très bien joué au premier, mais on a réussi à rester au contact longtemps. Et on savait qu'on avait beaucoup d'occasions, on n'arrivait pas à les concrétiser, surtout dans le jeu. Et voilà, au deuxième set, c'est vrai que j'ai recommencé à me reculer un petit peu au retour et j'ai réussi à gagner plus de points. Et après, on a pris l'ascendant, en fait, fin du deuxième et tout le super tie-break, et c'est ce qui nous a fait gagner le match. Ouais, c'était un match c'était très serré au début, beaucoup de frustration possible en fait, parce qu'ils ne servaient pas très fort, mais ils avaient des bonnes zones et on retournait pas, on n'avait pas notre niveau de retour des derniers jours. Il fallait rester très positif, très concentré. La perte du premier, elle nous a fait mal, c'était fatigant et voilà, je pense qu'il a fallu changer 2-3 trucs tactiquement, comme disait Romain au retour, et puis surtout rajouter de l'énergie en fait. Je pense que nous on joue très bien quand il y a beaucoup de jus, et c'est ce que, en tout cas moi je suis très expressif et il faut que je le sois encore plus dans ces moments-là, et j'ai réussi à le faire. Et c'est ça qui a fait basculer, c'est qu'à un moment donné on en a mis plus, et il y en a eu un tout petit peu plus de réussite sur nos coups. Et après on voit que, pas qu'il n'y a pas photo, mais quand on était dans le match, bon, on se sentait au-dessus quoi, donc ça fait plaisir. Vous évoquiez à la fin du match que vous aviez eu des bas. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait que la dynamique revient? On a eu des bas parce que dans toute équipe de double qui joue beaucoup ensemble, il y a des périodes où on gagne moins de matchs. Donc il y a eu des périodes où on gagnait moins de matchs, on a joué avec différents partenaires. Quand on se remettait ensemble, on avait perdu quelques automatismes. Donc quand on dit débat, c'est qu'on a eu des périodes sans beaucoup de victoires, notamment cette année. Quand je dis au débat, c'est pas forcément pendant un an ou quoi que ce soit. C'est cette année, on a été bon au début de la saison, un peu moins bon en mi-saison. Là, depuis début août, on rejoue bien. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est justement un peu effacer ses hauts et ses bas et avoir un moyen élevé. Et c'est ce qui commence à arriver. Quelle est la suite de votre programme? Vous avez déjà... Chacun de notre côté, on va jouer, donc Mouilleron le captif dans 10 jours. Après on a aussi une grosse échéance, un ATP, il y a une semaine avec des ATP 250 dans 15 jours. Donc après on va finir les tournois en Europe ensemble jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, notre objectif c'est vraiment de pouvoir grappiller encore des places pour assurer notre place dans le tableau de l'Australian Open au mois de janvier. Vous en êtes encore loin, justement, du coup? Non, avec cette victoire, ça nous rapproche déjà bien. C'était vraiment important de gagner ici. Ça fait une grosse différence de gagner ou de perdre en finale, en fait. Donc, on est vraiment content pour ça, déjà d'avoir gagné. Donc, cette victoire nous en rapproche beaucoup. Il nous faut encore 4 tournois. Il va falloir... On n'y est pas encore. On s'en rapproche, mais il va falloir justement confirmer un petit peu. Nous, on a du mal à mesurer ça, mais vous évoquez la qualité du tournoi, l'affluence aussi cet après-midi. Comment vous jugez effectivement Orléans par rapport à d'autres tournois du même niveau, et qu'est-ce qui peut faire la différence selon vous? Je trouve qu'en France, on est assez bien loti parce qu'on a des gros stades, surtout sur les tournois en intérieur comme Orléans, Mouilleron, Brest. Et c'est des grands palais des sports et les gens aiment le tennis, sortent le week-end. Donc aujourd'hui, honnêtement, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de sièges de libre. C'est assez rare quand même, même pour les finales de simple. Hein. Et je ne sais pas s'il y avait, je sais pas, 2-3 000 personnes. Ah, il y a plus que 3 000. Plus que 3 000. Quasiment 4. 3, ouais, je dois dire quand même, sur une finale, on peut difficilement faire plus en France. C'est le plus gros cours niveau challenger qui est en termes de public. En monde, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas sur l'année autant de monde sur aucun des tournois. Mais il y a même sur certains tournois ATP qui ont moins. Hein. Je veux dire, il y a des tournois en Turquie où il n'y avait personne même en finale. Au Mexique, il y avait une très bonne ambiance, mais il y avait 1500 personnes. Quoi. Là, plus de 3000, un peu pour nous en plus, donc c'est génial. On veut jouer dans ces conditions, donc c'est top. Bien sûr. Et en termes d'organisation, la semaine, comment vous la vivez? Plutôt bien, très bien. Ouais. Ici, voilà, le seul petit bémol, s'il y en a un, c'est qu'on n'a pas de deuxième cours sur place. Ouais. Ils peuvent pas, ils n'ont pas le choix. Mais par contre, tout le reste, c'est génial. On a un bon hôtel, le service des transports est exceptionnel. Il y a toujours une voiture à la minute pour nous. Tout le monde est super sympa. La restauration est gratuite pour les joueurs.
franchement, on a un service de presse qui est de haut niveau par rapport à voilà, toute la com, c'est du haut niveau par rapport aux autres tournois. Donc, rien à dire au niveau de l'organisation, c'est top.